E Bonjour du matin, comment ça va ce matin La forme La tête Oui, il est 8h25, oui je suis un peu à la bourre, oui j'avoue, oui effectivement. Euh, mais ça va, je suis là quand même. Non, je m'étais dit... Va travailler toi Je, je t'aime. Désolée. Allez, va travailler maintenant Attends, 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 attends... Voilà, c'est tout. Un peu là J'ai pas de compte à rendre. Bah, J'avais je, bah, je, je, dit que je serais là entre 7h30 et 8h. Et, euh, <laughs> et, euh, et bah, il est euh, 8h30 presque. Hein. Il est 8h26. On est le 27 octobre 2023 et il est euh, 8h26. Et, euh, et, euh, et euh, bah, on est euh, vendredi. C'est le dernier jour de la semaine et je, moi je peux vous dire que le week-end là je l'attends parce que ça va être mon premier week-end où je vais euh, rien faire euh, depuis longtemps. Donc euh, c'est cool. Alors euh, merci euh, Brighton pour ton deuxième mois d'abonnement, euh, c'est très sympa. Bonjour à toi, bonjour euh, Marine, bonjour Christelle, Crystal Gide, bonjour Flymic, bonjour le popote, bonjour Farley, bonjour Fletcher. Bonjour tout le monde, et bonjour Sillage bien sûr, mais j'ai déjà dit bonjour. Et demi c'est pas collé au bon chiffre, c'est ça, c'est-à-dire que j'étais censée être là il y a une heure, mais voilà, on est... tout va bien, tout va bien. Déjà tu te lèves tôt pour faire tes lives, c'est bien mieux que la plupart d'entre nous. Alors oui, mais c'est surtout que moi je suis réveillée depuis heures, 7 heures ce matin, donc j'aurais pu être là plus tôt. C'est juste que j'ai euh, préféré privilégier euh, le câlin ce matin parce que euh, j'en avais besoin et envie plutôt que, euh, que le live. Donc euh, je suis là maintenant, tout va bien. Euh, mais, euh, mais ouais, j'avais envie d'un câlin ce matin. <laughs> voilà. Mais c'est bien aussi hein, de privilégier ça. Surtout que euh, la, la semaine a été assez lourde. Euh, assez lourde en, en émotions et en... Et en, et en kilomètres aussi, hein, parce que j'ai parcouru pas mal de kilomètres cette semaine. Euh, bref, alors, oui, euh, oui euh, je suis allée à Cadarache euh, pour visiter le, centre, le commissariat à l'énergie euh, atomique. C'était très, très chouette, euh, très intéressant. On a vu un système de refroidissement euh, expérimental. Euh, pour euh, des centrales nucléaires de petit format, les SMR et les AMR. Alors, je me suis hyper retenue de faire des plaisanteries débiles sur le nom de ces petits réacteurs parce que je me suis dit que est-ce que un réacteur moléculaire euh, de euh, est-ce que est-ce que ce serait un, un ASMR du coup <laughs> Voilà, je rigole tout seul. Euh... <laughs> Bref. Euh, ouais donc on a vu des, des super trucs très très intéressants et, euh, et euh, j'ai pris des photos. On a vu du sodium en, en fusion. C'était cool. À 133 degrés. Ouais. Là il Voilà, voilà, voilà. <laughs> Et, euh, et c'était hyper intéressant et euh, hyper enrichissant. On a discuté avec euh, plein de monde. Il y avait plein de monde en plus. Euh, J'ai vu plein de gens que j'aimais bien en plus. Donc, c'était cool. Euh, J'étais entourée de tout un tas de personnes extrêmement intéressantes. Il y avait notamment Myrto Tripati. Il y avait Valérie Faudon. Euh, il y avait Ledger qui était là aussi. Euh, il y avait François Dos Santos. Euh, il, y avait, euh, euh, il y avait le prof des sciences. Euh, euh, il y avait aussi... Euh, alors, il y avait plein de gens, j'ai pas tous les... Ah oui, il y avait aussi euh, Kako. Euh, ouais, franchement, il y avait trop de monde, c'était trop cool et euh, c'était hyper intéressant et, euh, et euh, j'ai pu discuter avec plein de ces personnes et c'était vraiment, euh, euh, voilà, vraiment enrichissant. Et puis, ouais, le, le... On, a, on a pu aussi euh, échanger avec des ingénieurs euh, du CEA et c'était très chouette. Hyper enrichissant comme l'uranium, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat oh voilà alors, je vous ai dit hein, déjà, il a des, il a des problèmes au pattes arrière. Du coup, euh, c'est pas facile pour lui de grimper sur les trucs. Il est obligé de passer par des chemins détournés. De <laughs> c'est lui, petit chat. Tu dis bonjour Tu dis bonjour Bonjour. C'est la nouvelle star de ce live. Loulou étant pas encore sorti de son trou. <laughs> c'est trop tôt le matin. Et euh, ouais, on a eu une super photo devant le réacteur. Euh, alors, je me souviens plus, c'est Horowitz. C'est euh, Jules Horovitz, je crois, c'est ça. Donc c'était euh, très cool euh, aussi. Bonjour Killium, merci pour le follow, bienvenue parmi nous. C'est chaton. Alors c'est euh, j'ai demandé à ma graphiste de me faire d'autres euh, emojis et euh, d'autres euh, animations avec euh, ce magnifique chartre gris euh, parce que euh, c'est le nouveau membre de la famille. Et qu'il euh, est tout à fait euh, à l'aise. Pour... Il est tout à fait normal qu'il y ait euh, des petits emojis avec ce magnifique, magnifique bestial. bestiou. Le chat, c'est le roi du monde. Ouais. <laughs> ah, Celui-là, ouais, il, euh, il est très encombrant, mais il est très gentil. Après, il a miaulé toute la nuit. C'est ce qui a réveillé mon amoureux. <laughs> Moi, ça va. Mais euh, en fait, il y a un truc. J'avais lu un truc sur les chats. Le fait que euh, quand, euh, quand tu avais ton chat qui miaulait et qui. Euh, et qui t'appelait, euh, toi en tant que son maître ou sa maîtresse, tu reconnais le miaulement de ton chat. Et donc même si tu as des boules caisses, même si tu euh, es dans un sommeil profond, normalement tu reconnais le, le bruit de ton chat, et donc tu te réveilles et tu, et tu l'écoutes, et tu sais que qu'il t'appelle. Un, un, un peu comme une mère avec son enfant, parce que c'est exactement la même chose qui se passe avec une mère et son enfant, ou un père peut-être aussi, je pense. Et, euh, et euh, il se trouve que cette nuit, il a miaulé et euh, moi, ça m'a pas réveillée, mais ça a réveillé mon copain qui est donc son, son, son maître attitré. Voilà. T'as fait pas mal de pièces pour le RGH. Bah écoute, euh, et bah écoute, euh, ouais, il n'est pas encore en, il est pas encore en service. C'est une question de, de semaine ou de mois peut-être, mais, euh, mais c'est ça va venir bientôt. Ils vont pouvoir l'utiliser. On a, vu, on, a, on a vu qu'il y avait encore des trous dedans. <laughs> mais il n'est pas loin d'être prêt, je crois. Je ne sais pas où est mon chat et ça m'inquiète. mais Il va finir par arriver de toute façon. Mais oui, il y a deux chats ici. Il y a celui-là et puis il y a l'autre euh, que Flying a envoyé un, un, un emoji. C'est Loulou, en fait, l'emoji euh, qui a le Miaou. Je reconnais et je sais ce qu'il veut dire. Oui, tu veux dire le chat Oui. Entendu parler de ça, c'est fou. Les chats sont aussi prouvés comme étant des antidépresseurs. Alors oui, alors antidépresseurs, je sais pas, mais je sais que quand tu vas pas bien euh, et qu'ils sont pas loin et qu'ils se mettent à ronronner sur toi, ou, euh, ça, ça apaise beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Après, euh, le problème, c'est que quand tu vas pas bien pendant longtemps, euh, ça impacte aussi tes chats. Et euh, ça impacte ton chat en l'occurrence. Mon chat a été un peu euh, en souffrance là, il n'y a pas longtemps parce que moi j'allais pas très bien. Et, euh, et euh, du coup, il a, il, a pas trop, euh, il a eu du mal un peu avec tout ça. Il n'a pas trop bien supporté. Et là, ça va beaucoup mieux. C'est juste qu'il est. Ah bah il là Tu viens, loulou Tu viens Tu viens là Chaton Tu viens Non, mon loulou Ouais, il va finir par venir de toute façon. Ouais, on va arrêter de parler des chats et des réacteurs euh, Jouelorovitz. <laughs> mais mais euh, on va continuer à parler de l'actualité. On va reprendre le fil. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a un abonnement à Télérama Si c'est le cas, euh, j'ai trouvé un article que j'aimerais bien lire euh, sur Télérama. Voilà. Euh, après, les réacteurs de recherche de type piscine sont particulièrement sûrs, donc je ne suis pas trop inquiète. Ça va, Loulou Tu viens, Loulou Oui, il est juste là. Je, je suis sous surveillance. Euh, tu es abonné et eh bien, abonné à, à Télérama Ah, du coup, euh, si tu as accès à. Qu'est-ce que tu vois, toi Si tu as accès à Télérama, je, si tu, tu as la possibilité de, de m'extraire un article. C'est sur le Discord, si tu n'es pas dessus, sinon l'envoyer d'une autre manière. Je sais pas si on peut voir le web, bah je sais pas, écoute, du coup j'en sais rien. Être fan peut signifier qu'on est affecté par la tosse ou pas quelque chose. Alors c'est pas du tout, je crois pas que ce soit ça. Wow. Je ne me suis pas connectée sur le... Je, je me rends compte que c'est Loulou, en fait, qui miaule. Loulou Salut tu viens, toi Bah là. Tu viens au moins dire bonjour, là Oh, hein Oui, petit chat, oh là là. Mm. Bonjour, petit chat. Tu dis bonjour Tu dis bonjour Bonjour, petit chat. Hop là, voilà. Il va de ce côté-là. Attends, on va mettre ce côté-là, comme ça, on a les deux. Ils sont très bien tous les deux. Euh, C'était pas du tout là que je voulais aller. Je voulais aller là pour vous envoyer un truc. Voilà. Si quelqu'un a moyen d'avoir cet article en ligne. D'accord, j'ai compris. Hop. Voilà, c'est celui-là. Euh... Ça va, chaton Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais oh. Je sais pas ce qu'il a. Systématiquement, il se, il se gratte sur le, sur le truc. Là. Arrête Mais... Enfin Hé et... <laughs> Alors, c'est sur, euh, sur euh, Dopsy et Painkiller qui sont deux séries qui parlent euh, de la crise des opioïdes. Et, euh, et je suis en train de regarder Painkiller, mais je suis pas du tout fan alors que Dopsy qui était très 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 bien faite. Après, si tu peux me l'envoyer d'une manière ou d'une autre, je sais pas où, sur, en message privé ou comme, comme tu peux, j'en je, serais très 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 ravie. J'aimerais bien le lire et puis on pourra le lire ensemble d'ailleurs. Je suis en train de remonter le fil, hein. je, je cherche l'article auquel on s'était arrêté. Pouf, pouf, pouf. C'est arrêté. Encore, on est encore loin. Hein on a encore du temps. Hein. Pouf, pouf, pouf. Euh, voilà. Euh, c'est une actu. Bon, on va commencer par l'actu pas joyeuse. Une actu pas joyeuse, du tout. On va y arriver. Et c'est parti. Agence France-Presse, donc c'était le 13 octobre, on est encore au 13 octobre, désolé, on n'avance pas. Un journaliste vidéo de Reuters, Issam Abdallah, a été tué et six autres journalistes de l'AFP, de Reuters et d'Al Jazeera ont été blessés cet après-midi en couvrant la situation dans le sud du Liban. C'est une information AFP. Un groupe de journalistes de différents médias se trouvait près du village de Alma Ek Chab, je ne sais pas comment on prononce. Près de la frontière israélienne, lorsqu'ils ont été pris dans les bombardements transfrontaliers, a indiqué l'un des deux journalistes blessés de notre rédaction. Une source de sécurité libanaise a déclaré que les deux premiers bombardements israéliens avaient fait suite à une tentative d'infiltration en Israël de Palestine, du côté libanais de la frontière. Nous sommes profondément attristés d'apprendre que notre vidéaste Issam Abdallah a été tué, a indiqué le communiqué de Reuters. Il faisait partie d'une équipe, équipe de l'agence de presse dans le sud du Liban. Notre photographe Christina Assi se trouvait dans le secteur avec notre journaliste vidéo Dylan Collins. Tous deux ont été transportés à l'hôpital de Tir pour y être soignés. Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu'un groupe de journalistes clairement identifiés ont été tués et blessés alors qu'ils faisaient leur travail, a déclaré Phil Chetwind, directeur de l'information de l'AFP. Nous adressons nos plus sincères condoléances à nos amis de Reuters pour la perte d'Issam et nos pensées vont vers tous nos collègues blessés à l'hôpital, a-t-il ajouté. Voilà. Ah oui, euh, globalement, merci hein, euh, de, de passer par euh, Thread Reader pour, euh, pour m'envoyer des articles de presse euh, ou des, euh, des threads. Pardon, des threads, surtout. C'est euh, mieux que de m'envoyer sur Twitter parce que j'avoue que euh, passer sur Twitter à chaque fois, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Et pour contrebalancer cette information terrible euh, qui euh, vient d'être lue, on va faire un tour sur ça. Donc je, regarde si, je regarde si au niveau du son, je suis bien connectée. Et non Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah là là. Merci! Alors, c'est pas dans le bistrot qu'il faudrait le mettre, mais euh, c'est pas grave, je m'en occupe. Il y, un... Il y a un espace spécial qui euh, s'appelle Actu du matin, euh, qui nous permet de, de mettre les articles dans l'ordre d'arriver. Je, je l'envoie dedans, t'inquiète. Hop, voilà. Merci beaucoup. Euh, où est-ce que j'en étais? Là j'en étais là. Ah oh bah on n'a pas de son là-dessus. Ah si on a du son là-dessus. Oh, c'est trop mignon. C'est quand même trop mignon. Ils sont trop mignons ces petits poney. Ces petits poney, ces petits moutons. Les moutons. Can we skip to the good part?

Alors, on va continuer. J'aime beaucoup aussi ces moutons, ils sont trop mignons. Merci beaucoup pour le lien vers cette vidéo. C'est trop mignon. On va continuer, mais on l'a déjà lu ça, c'est ça On ne l'a pas lu encore. Alors, c'est les choses à savoir euh, sur Blue Sky. Euh, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive à la fin direct. Les choses à savoir, donc c'est un article sur Cordump de Cyril Lambin. Cordump. Alors, c'est un peu long. Je ne sais pas si c'est si très long, mais euh, du coup, ça va nous permettre de faire un petit tour d'horizon de ce que c'est euh, Blue Sky et pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que euh, ça vaut le coup peut-être d'y aller. C'est un nouveau réseau social créé par la société Blue Sky PB LLC. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'était Twitter il y a quelques années, euh, sans les MP, sans les, les gifs. Blue Sky est toujours en développement. Il manque encore beaucoup de features, mais le développement est très actif. Donc en quoi c'est différent des autres réseaux sociaux C'est une public benefit, benefits compagnie, ce qui veut dire que les décisions de la société peuvent aller à l'encontre des intérêts des actionnaires pour protéger sa mission qui est de développer et conduire une adoption de masse de technologies pour des conversations publiques et décentralisées. L'initiative Blue Sky est open source, tout le monde peut voir comment est construit le service et le dupliquer. Enfin, Blue Sky n'étant été qu'une passerelle pour AT Protocol, qui est un grand réseau décentralisé théorique. La décentralisation n'est qu que partielle pour l'instant, sur lequel tout le monde peut se connecter de façon libre. D'ailleurs, la mission première de Bluesky PBLLC est de construire AT protocol. Bluesky ne vient qu'en seconde position. Donc, euh, est-ce qu'il y a un guide de démarrage mieux que celui-ci Comment vous y allez <laughs> Je vous conseille fortement de lire plus bas la section Vie privée. Vraiment, 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 il y a un guide de démarrage sur Bluesky de, de Miwan, de Mi, de Mian, ici, et un euh, manuel de démarrage rapide d'écran mobile ici. Donc si ça vous intéresse, euh, je vous invite à, à aller lire tout ça. Si vous-même vous êtes sur Blue Sky et que vous ne savez pas euh, comment fonctionne l'outil, euh, il y a tout ce qu'il faut ici. Euh, D'ailleurs, je, je comprends pourquoi est-ce que j'arrive directement sur le, sur le lien externe et source. Hein, C'est voilà. quoi les trucs à faire en arrivant Donc uploader un avatar, une photo de profil. Euh, lire la section vie privée ici même plus bas. Euh, Réglez vos paramètres de modération dans Modération. Bonjour, Glabou. Réglez euh, vos paramètres de timeline dans Settings, Home Feeds, Préférences. Retrouvez vos amis grâce à Sky Follower Bridge, donc, ce qui vous permet de retrouver des gens sur Twitter. Bonjour, SixAdway. Oh, comment ça va Ça faisait longtemps. Je <laughs> suis contente de te voir. Euh, allez dans les feeds, euh, dans le menu principal, cherchez euh, vos centres d'intérêt, euh, fandom, séries préférées, puis épinglez-les sur votre Home et désactiver toutes les langues dans Settings, Content Languages, sinon des posts vous seront cachés sur votre timeline fils, dans vos feeds. Donc euh, ça vous permet de regarder tout ce qui s'y passe dans toutes les langues. Ouais, c'est euh, la petite présentation de l'outil ce matin. Vite fait, hein. on va regarder ça, vite fait, vite fait. Le service et les features, donc ça c'est la courbe du nombre d'utilisateurs sur le Sky au 20 octobre, donc ça a continué de grimper après le 20 octobre hein, depuis... Euh depuis les annonces de en fait à chaque annonce euh, je pense que ça correspond à une date d'annonce euh, de de, euh, de l'autre imbécile là et à chaque annonce le, la courbe prend une, un petit bon euh... <laughs> voilà. Euh, comment ouvrir un compte Blue Sky C'est euh, actuellement en bêta ouverte sur invitation. Mais si vous voulez une invitation, euh, venez me demander parce que euh, j'en ai encore quelques-unes à, à filer. En fait, les gens m'en donnent. Je fais partie des personnes de confiance, a priori. <laughs> Il y a des gens qui me donnent des invitations et qui me disent euh, « Je te fais confiance, tu la donnes à quelqu'un. » euh, Et a priori, euh, les personnes qui arrivent sur Blue Sky, euh, je, je surveille bien euh, de ne pas les donner n'importe qui. Après, euh, je vois aussi qu'il y a des gens qui les vendent. Euh, des invitations, et euh, du coup, ça veut dire qu'on va avoir des personnes pas forcément très fréquentables qui vont arriver sur Blue Sky parce que euh, pour vendre une invitation, déjà, il faut pas être très fréquentable, mais en plus, pour acheter une invitation, euh, pour... bon. voilà quoi. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il fait une connerie, à chaque fois, ça monte. Donc, vous devez obtenir un code d'invitation par quelqu'un qui est déjà inscrit sur Blue Sky. Toutes les personnes inscrites reçoivent un, code, un nouveau code à partager tous les 10 jours, et chaque code n'est utilisable qu'une seule fois. Euh, il y a aussi une très longue file d'attente pour recevoir des codes en laissant son email à Blue Sky, mais cela prend plusieurs mois pour en recevoir un. Cela ne veut peut-être pas le coup de l'utiliser car le système d'invitation devrait disparaître dans les mois à venir. De toute façon, euh, bientôt, on pourra très vite s'inscrire n'importe comment. Euh, comment est-ce que je reçois un nouveau code d'invitation une fois inscrit Il faut attendre 10 jours et le code apparaît ensuite sur l'interface ici, juste en dessous du nombre de followers et du nombre de following sur la page d'accueil. Qu'est-ce qui est bien sur Bluesky Les feeds sont l'élément le plus intéressant de Bluesky. Ça ressemble beaucoup à des flux RSS. Ce sont des timelines algorithmiques créées par les autres utilisateurs et utilisatrices de Bluesky que vous pouvez épingler sur votre home, donc euh, sur la, votre page d'accueil. Oh, si. euh, oh, si, ouais, si. Ouais, si, c'est. Vous pouvez vous abonner à des mute lists. Créé par d'autres utilisateurs et utilisatrices pour modérer des comptes en masse. Et il n'y a pas Elon Musk, donc c'est plutôt cool aussi. Donc c'est bien ça, sur plus Sky. Le contenu 18, est-il autorisé sur Blue Sky Oui, tout à fait. Pour voir ce contenu, vous devez activer dans, la, dans le menu Modération. A noter, le service est interdit aux mineurs dans les conditions générales. Voilà, donc il y a plein de, de filtres de contenu, hein, on peut les désactiver, les activer. Il y a un vocabulaire spécifique, pas tellement à part euh, skits, euh, c'est les tweets un peu pourris, mais c'est pourri, Moi, je dis pub publication ou post, euh, mais pas skits. Je n'utilise pas les skitos, euh, les utilisateurs et utilisatrices. En minute pour skydiver ou skywalker, moi, j'utilise skyers comme terme. Et la skyline, c'est votre timeline principale. Et moi, j'utilise timeline de toute façon. Donc <laughs> voilà. Est-ce qu'on peut changer de A Oui, dans Settings, Change Handle. Euh, attention, ça libère immédiatement votre ancien A. Donc, si vous utilisez un A que vous voulez pas que quelqu'un d'autre utilise, bah, vaut mieux pas faire ça. Ou alors, vous créez un nouveau compte avec euh, votre ancien A. Vous pouvez aussi utiliser votre propre nom de domaine si vous en possédez un. Par exemple, marceltruc.com au lieu de marceltruc.bluesky.social. Effectivement, on peut passer sur son propre nom de domaine. Pour faire ça, au moment de changer de handle, cliquez sur I have, I have my own domain. Vous aurez besoin d'avoir votre accès à zone, votre zone DNS pour cette manipulation. En général, accessible via la société qui vous a vendu et gère le domaine, par exemple OVH Gandhi. Comment certifier son compte En utilisant votre propre nom de domaine, pour votre nom de compte, le handle, voire la question présente, vous serez la seule personne qui le possède. Des exemples de feeds recommandés il euh, y a Home, l'activité de vos followings et de leur réseau social. Il y a Followers, euh, l'activité de vos followers, l'inverse de votre Timeline Followings. The Gram n'affiche que les posts avec images, Instagram Like, voilà, c'est plutôt pas mal. New Skies, euh, les premiers posts de chaque nouveau compte en live, et Artistes françaises et Français sélection d'artistes par boulet. Il y a The Whole, the whole House, meilleure série, voilà, <laughs> c'est pourquoi pas. Si vous n'êtes pas développeur ou développeuse, vous pouvez créer vos propres feed avec Skyfeed. Quelles sont les grosses features manquantes sur Blue Sky? Donc les DM, les messages privés, pas encore. Les comptes privés, euh, les GIFs, parce qu'on ne peut pas priver son compte pour l'instant. Les GIFs on ne peut pas en envoyer. Euh, les vidéos, on ne peut pas en envoyer non plus. Les listes, notes prévues pour une prochaine update, Blue Deck, voire plus bas, les supportent déjà. Donc euh, les listes. Les postes épinglés, on ne peut pas euh, épingler un poste sur son profil. Et les euh, brouillons de threads postés d'un seul coup. Donc ça aussi, c'est pas encore possible pour publier ces threads. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Y a-t-il un jour des DM ou des comptes privés y aura-t-il un jour des DM ou des comptes privés L'équipe de développement ne l'exclut pas, mais ils devront être basés sur un système de conversation chiffrée. Messagerie chiffrée, conversation de groupe, un peu comme Telegram ou Signal. Ce système n'existe pas encore. Euh, car euh, les euh, développeurs et les développeuses se focalisent actuellement sur la décentralisation du réseau. Donc, il n'y a évidemment pas de date pour l'instant. Et les vidéos et GIFs, ce n'est pas supporté à l'heure actuelle pour des problèmes de capacité de modération. Les développeurs ont répété à plusieurs fois que ce n'était pas une priorité pour l'instant, certainement car cela dépasserait aussi leur capacité actuelle euh, d'hébergement, qui sont amenés à augmenter significativement à court terme. Merci Samuel pour le resub. Merci beaucoup et bonjour il y a un tweet deck like euh, d'autres apps. Il y a deck.blue, tokimeki, skyfeed qui permet aussi de créer ses propres feeds. Vous pouvez trouver une liste complète ici et elle est longue. Utilisez des mots de passe d'application, settings, app, passwords sinon, vous donnez tous les droits à ces applications, y compris celui d'effacer votre compte, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Euh, on peut retrouver donc, c'est plutôt chouette hein, les interfaces en fait, ça ressemble beaucoup à OutSuite. On peut retrouver ses follow de Twitter. Il y a plusieurs solutions. L'extension Sky Follower Bridge, comme pour Chrome et Firefox, fonctionne très bien. Utiliser un mot de passe d'application, là encore, euh, il vaut mieux. C'est quoi les ALT euh, C'est les textes alternatifs. C'est une description des images postées que vous pouvez rajouter quand vous créez un post en cliquant sur ALT. Ça vous permet de rendre votre post accessible aux personnes ayant un handicap visuel qui utilisent des logiciels spécifiques de lecture. Cette fonctionnalité existait déjà sur X Twitter, mais a vraiment pris son envol sur Mastodon, où les gens ont essayé de rendre leurs posts plus accessibles possible. Effectivement, euh, sur Mastodon, c'est indispensable. Et sur Blue Sky, c'est un peu la condition euh, un peu sine qua non. Quand vous arrivez sur Blue Sky euh, et que vous postez des, des, des images, on va vous demander. Enfin, euh, va... vous avez même une fonctionnalité qui vous oblige à mettre un texte alternatif. Et vraiment, je vous invite à, à mettre. Euh, un texte alternatif euh, sur Blue Sky parce que c'est euh, un peu une, une règle d'usage qui, qui s'est imposée et c'est vraiment cool euh, pour tout le monde. Ça permet une meilleure accessibilité. Euh, bah c'est, je pense que c'est ce qu'on est en train de lire. Hein, ça le, le guide, euh, d'utilisation qu'on a là. Et très très alors je, je remets du coup sans le lien externe. Mais après il y a tous les, tous les guides dessus. Je me demandais pourquoi Mastodon a bidé alors que Blue Sky. Non, bah c'est peut-être plus une question d'interface que BlueSky. L'interface est vraiment plus accessible. Euh, on va aller voir. Mais l'interface Blue Sky est vraiment très accessible. Alors que euh, l'interface mastodon, elle est beaucoup moins. Donc, enfin, euh, tu vois, ça ressemble beaucoup à Twitter, alors que Mastodon, l'interface est, est assez pourrie euh, et, euh, et c'est pas très accessible, c'est pas facile à utiliser. Faut trouver une instance, t'inscrire sur l'instance, etc. Et voilà, euh, et ouais, le... alors que, enfin, voilà, vraiment, Blue Sky est vraiment plus, euh, euh, plus simple d'utilisation. Alors moi, je suis, un, je suis inscrite sur le, un fil un qui s'appelle Féminisme. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais, euh, mais Voilà. Donc, les textes alternatifs, cela peut paraître contraignant au premier abord, mais on s'y fait vite. Et une description sur cinq, mais précise, fait le job. Ici, par exemple, j'ai euh, juste écrit un petit loup criant J'ai faim. Évidemment, vous pouvez aussi mettre plus de détails si vous le désirez ou que la compréhension de votre poste le demande. Si vous vous sentez bête en tapant la description de ce que vous voyez, c'est normal. On a tous eu cette impression au départ. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai aussi rajouté couverture du livre de Mireille d'Alancé. Car d'une part, ça permet de créditer l'autrice, mais en plus, les filles utilisent souvent les descriptions en alt pour trouver du contenu, ce qui permet de découvrir de nouveaux artistes. Donc là, on a Lois Lane dans Superman, euh, et le texte alternatif euh, qui, euh, qui est indiqué avec un petit alt. Voilà. Par exemple, si dans le halt de l'image, ci dessus, vous mettez simplement Lois Lane de la série animée Superman et que quelqu'un a créé un feed Superman, votre post apparaîtra dans le feed même si vous n'avez pas cité explicitement la série dans le texte de votre post. Vous faites donc d'une pierre deux coups. Les choses à ne pas faire, utilisez le alt pour mettre un texte qui n'a rien à voir avec l'image, une blague, etc. C'est très mal vu, sans jeu de mots, et vous risquez même à terme de finir dans les mute lists. Certaines personnes refusent de repartager les posts contenant des images sans alt, et c'est tout à fait euh, tout à leur honneur. Euh, et donc ça, c'est une option euh, qui vous permet de, de, de forcer l'écriture d'un halte avant la publication. Enfin, euh, ça vous dit, euh, attention, vous avez oublié, euh, il faut que vous, vous en faisiez un. Le fil féministe, euh, c'est féminisme. Alors, je ne sais pas si on peut partager juste simplement comme ça. Ouais, c'est vrai que Mastodon, c'est assez compliqué euh, pour trouver des gens aussi. Après, Mastodon, il y a sans doute plus de comptes, mais. Euh... Bah, Samuel, tu peux le mettre, le, le lien, peut-être vers le, le truc que tu dis. Vie privée, modération de données publiques, y a-t-il des précautions à prendre de façon générale euh... Ne recyclez jamais vos comptes Blue Sky en changeant radicalement de hâte si vous ne voulez pas qu'on puisse relire, relier les deux voire plus bas. Utilisez toujours des mots de passe d'application pour des applications ou plugins externes. Si votre mot de passe suit, vous pouvez perdre votre compte. Ne postez pas des choses que vous pourriez regretter ou ne pas assumer ensuite. C'est valable pour tous les réseaux sociaux. C'est quoi le mot de passe d'application Donc Dans Settings, App ou App, Passwords, ce sont des mots de passe que vous créez spécifiquement pour des applications ou plugins externes. Skyfeed, to Tokimeki, des plugins pour chercher vos followers sur Twitter. Ces applications auront des droits un peu plus réduits que si vous utilisiez votre vrai mot de passe, notamment elles ne pourront pas effacer votre compte. Alors que si vous leur donnez votre, votre vrai mot de passe, oui. Attention, mais avec un mot, avec un mot de passe d'application, l'application a accès à votre email. Pour l'instant, aucune application problématique n'a été relevée, mais préférez utiliser des applications reconnues par la communauté. J'ai entendu dire que les blocs étaient inutiles. Pas tout à fait. Actuellement, lorsque vous bloquez quelqu'un, non seulement vous ne voyez plus ses postes et l'autre compte ne verra plus les vôtres, mais en plus si l'autre compte a répondu à un de vos messages, ses réponses à vos postes seront également masquées pour, pour tous les, les autres utilisateurs, ce qui est plutôt pratique. Mais tout ceci vaut sur les applications qui respectent les blocs comme Blue Sky. En utilisant d'autres outils comme Twexit, on peut voir tous vos postes publiquement et il existe au moins un client très rudimentaire qui ne respecte pas les blocs. Donc cela ne vous protège pas de quelqu'un qui veut vous espionner. Par contre, si vous et le compte bloqué, vous utilisez une application qui respecte les blocs comme Blue Sky, SkyFeed ou Tokimeki, vous ne, verrez pas, vous, ne vous verrez plus mutuellement comme pour un, une liste à double sens. La vraie problématique, c'est l'absence de compte privé, car même sur d'autres réseaux sociaux, un bloc n'est pas très effectif si votre compte n'est pas privé. Autre chose à savoir sur les blocs, euh, bloquer un autre compte ne rompt pas le lien de follow. Si vous bloquez, puis débloquez un compte qui vous suit, il vous suivra toujours. Chaque compte est un, une mini dropbox qui contient des, les posts, interactions, blocs, follow de l'utilisateur. Seul le propriétaire du compte peut écrire dedans, mais tout le monde peut y lire. Donc, si vous bloquez quelqu'un, vous ne pouvez pas le forcer à vous unfollow, car vous ne pouvez pas euh, écrire dans son compte. Vous ne pouvez pas faire du, euh, euh, du shadow block, en fait. Enfin, C'est ouais, euh, quand tu bloques quelqu'un et que tu ne veux pas qu'il euh, qu te suive, en fait, euh, ça ne marche pas. En Il fait, faut que la personne qui te suit décide de ne plus te suivre. Qu'est-ce qui est vraiment privé sur Blue Sky Votre email, votre âge, votre IP de connexion, vos mutes, qui vous a envoyé votre invitation et à qui vous avez donné vos invitations ça, c'est privé. Les invitations, c'est privé, privé. Hein. La personne qui vous a envoyé votre invitation connaît le compte que vous avez créé avec elle reçoit une notification. Tout le reste n'est connu que de Blue Sky c'est un système interne à Blue Sky. Attention, il y a diverses rumeurs qui disent que si la personne que vous invitez se comporte très mal et déclenche la modération, vous pouvez recevoir moins de codes à l'avenir. Donc, c'est des rumeurs. Qu'est-ce qui est public, que tout le monde peut voir avec les bons outils Tout le reste. Ça inclut vos blocs, vos likes et plein d'autres choses, voir ci-dessous. Y a-t-il des risques sur les données que je pense normalement pas visibles Oui, et c'est important. La plupart de ces données ne sont pas affichées sur BlueSky ou d'autres applications, mais elles existent et n'importe qui, avec les bonnes connaissances, peut y avoir accès très facilement. À savoir la date de création de votre compte. L'historique des changements de votre arrobase est visible par n'importe qui avec, avec un simple navigateur web. Cet historique ne peut pas être effacé ni modifié et est toujours visible même si vous effacez votre compte. Ne recyclez jamais votre compte Blue Sky si vous ne voulez pas que deux arrobas soient connus et liés, par exemple un vrai nom avec un pseudonyme. N'importe qui peut télécharger une archive de votre compte et donc avoir accès à tous vos posts et interactions depuis le début en une seule requête. Il faut des outils pour parcourir l'archive, mais quand même. Chacune de vos... de vos interactions... Je dois faire attention parce que je, re... je reçois un... un colis ce matin et il euh, faut que je fasse gaffe, c'est pour ça que j'ai mis la, la sonnerie. Chacune de vos interactions, messages, like, unlike, follow, unfollow, etc., est enregistrée sur votre compte publiquement avec la date et l'heure de l'action. Enfin, les médias sont actuellement hébergés sur le cloud de Blue Sky et ne sont pas immédiatement effacés quand le poste qui les contient est effacé. Cela prend plusieurs jours. Donc si quelqu'un a conservé l'URL du média, il pourra continuer à le voir quelques jours. De façon générale, comme sur d'autres réseaux sociaux, vous n'êtes pas à l'abri de bots qui relèvent et conservent toute votre activité en temps réel, comme les bots qui conservaient les tweets effacés de personnalités influentes. Mais c'est horrible, pourquoi tout ceci est public Point d'interrogation. Euh, les softblocks, ouais, merci. Euh, la, les raisons sont diverses et dépendent de ce dont on parle. L'historique du changement de base, il n'y a pas de raison spécifique, mais le serveur qui gère ça est temporaire et doit à terme disparaître et être remplacé par un autre système décentralisé. Peut-être que la conservation de l'historique disparaîtra à ce moment-là. L'archive du compte, c'est une fonctionnalité essentielle pour le fonctionnement de l'AT Protocole, qui est le moteur de BlueSky, et les médias sur le compte certainement appelés à évoluer. Tout le reste doit être public pour que la future fédération puisse fonctionner, car à terme, BlueSky ne sera pas le seul à avoir besoin de regarder ces données. Si un futur Red Sky concurrent existe, par exemple, il devra forcément pouvoir lire tout votre compte pour pouvoir les afficher correctement de son côté. Qu'est-ce qui se passe si j'efface mon compte Votre compte, le mini Dropbox est effacé, tout disparaît immédiatement du réseau. Une fois la fédération ouverte, vos contenus pourront prendre un peu plus de temps pour disparaître partout. Mais tout disparaîtra rapidement, il n'y a pas de période de grâce, vous ne pourrez rien récupérer si vous n'avez pas de backup. Pas comme sur Twitter, vous avez une semaine de grâce. Votre arrobase est immédiatement libéré si vous n'utilisez pas un nom de domaine qui vous appartient. Et l'historique des changements de votre arrobase est conservé pour l'instant. Est-ce que Blue Sky est RGPD Non. Il y a de la modération sur Blue Sky, oui. Alors c'est assez marrant parce que Threads euh, n'est pas RGPD non plus, pourtant Threads est interdit. Mais du coup je pense que c'est le côté invitation euh, sur invitation qui fait que Blue Sky est autorisé. Peut-être. Euh, il y a de la modération sur Blue Sky, oui fly tu as raison. Euh, il y a de la modération sur Blue Sky. Oui, il y a une équipe de modération, mais il y a, des, il y a déjà eu des problèmes de modération en juin-juillet 2023, au moment où le réseau a grossi d'un seul coup à cause des frasques d'Elon. Blue Sky a été pris par surprise et a consolidé sa modération à ce moment-là. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes tant que ces équipes n'ont pas de procédure éprouvée par le temps, surtout que le réseau grossit très vite. Le compte de l'équipe de modération est safety.bsky.app pour suivre son actualité. Vous pouvez, également, vous pouvez évidemment reporter un poste, un compte ou une liste directement avec l'option intégrée à Blue Sky. N'oubliez pas que vous pouvez aussi signaler des contenus licites sur Pharos qui contactera directement Blue Sky de façon officielle. La façon dont la modération va s'appliquer une fois que la fédération sera ouverte est pour l'instant assez floue. La fédération à la décentralisation, c'est quoi les histoires À terme, Blue Sky ne sera pas le seul service pour accéder au réseau AT Protocol. Il y a déjà d'autres applications que Blue Sky pour y accéder, mais actuellement, toutes, ces, toutes les données sont encore hébergées sur Blue Sky, chez Blue Sky. Mais l'accès à AT Protocol est d'ores et déjà libre pour la consultation. À terme, vous pourrez déplacer votre compte sur d'autres services que Blue Sky tout en conservant la même expérience. Comment c'est possible Votre compte est comme une mini Dropbox que tout le monde peut lire, mais sur lequel vous êtes le seul ou la seule à pouvoir écrire, il suffit de déplacer le contenu de ce compte ailleurs pour simplifier. Ça veut dire que je pourrais déplacer mon compte ailleurs, mais je vais perdre tous mes followers. Non, justement, bah c'est un peu comme Mastodon, si vous déplacez votre compte, vous ne perdez pas tous vos followers, vous pouvez faire un, un, vous pouvez faire un, un, un transfert. Donc le principe d'AT Protocol, c'est que vous pourrez déplacer votre compte sur d'autres serveurs que ceux de Blue Sky et pourtant garder toutes vos données, posts, interactions, etc. et tous vos followers et followers. Vous ne perdrez rien et votre expérience est censée rester exactement la même. Vous pourrez même déplacer votre compte sur un autre Blue Sky sans rien perdre si jamais, par exemple, vous, êtes, vous faites ban de Blue Sky ou si jamais Blue Sky fait faillite. Ah bon, donc si je déplace mon compte, je peux contourner les blocs et les mutes. Non, car votre identifiant interne de compte, lui, ne changera pas. Même votre arrobase pourra rester le même, d'ailleurs, si vous utilisez un domaine qui vous appartient. Oh. Comment on fait pour déplacer son compte ailleurs On ne peut pas actuellement... La fédération AT protocoles n'est pour l'instant qu'au début de son développement, donc ça viendra plus tard. La fédération est déjà en place, on peut s'inscrire ailleurs. La fédération se met en place progressivement, mais on ne peut pas encore s'inscrire ailleurs que sur Bluesky. Sur la version publique, la fédération est ouverte, n'est ouverte que pour les feeds. Les serveurs des feeds ne sont pas gérés par Bluesky. Sur la version de développement, euh, sandbox, la fédération est ouverte et même obligatoire pour la création de comptes, car Bluesky n'en assure pas l'hébergement. Selon l'équipe de développement, la fédération devrait être complètement fonctionnelle début 2024. Donc ça va aller très vite. C'est le même truc que Mastodon. Non, ça n'a vraiment rien à voir, que ce soit sur le fonctionnement ou les objectifs. C'est bien de le noter. Mais Mastodon et le fait diverse utilisent le protocole, protocole ActivityPub. Bluesky utilise son nouveau protocole AT Protocol. Le fait diverse, donc Mastodon est un. Enfin, oui Mastodon, est un service, est un système permettant à plusieurs services de communiquer ensemble, comme si, comme si Instagram et TikTok pouvaient se connecter ensemble. AT protocol vise à pouvoir reproduire tout type de réseaux sociaux, mais avec une expérience utilisateur maximum, maximale dans tous les cas comme si Instagram et TikTok étaient deux visualisations différentes d'un même réseau. Cependant à l'avenir, il est probable qu'il existe des passerelles entre les deux pour suivre les comptes dans un sens ou dans l'autre. Techniquement, Mastodon et le Fediverse fédèrent des services complets, une instance hébergement égale hébergement de compte plus nom de compte plus génération de timeline plus modération, alors que AT protocol fédère des rôles séparés. On pourra à terme très bien héberger son compte chez Blue Sky et avoir sa timeline générée chez Red Sky. D'ailleurs, c'est déjà le cas, 99,9% des feeds sont générés par des services externes à Blue Sky. Voilà. Bonjour Sirsika. Ah oui, alors, du coup, j'ai pas encore parlé du retour de karma. Mais euh, je vais en parler. Mais c'est très con. Bonjour, perroquet sauvage. Bah, j'ai un code euh, dans ma poche pour l'instant. Mais euh, j'en reçois de temps en temps, donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message privé et, euh, et je, je répondrai à, à ce message privé euh, avec le code dès que je l'aurai. Le euh, principe d'auto-certification de Blue Sky, parce que là, on peut être propriétaire de son nom. Pendant des années, on était juste locataire de son Twitter. Et là, on se fait dégager par le propriétaire. Ouais, c'est vrai. Alors, le retour de Karma. Euh, c'est très con, hein, vraiment, c'est vraiment très con. J'étais euh, à, à Aix, euh, à côté à Cadarache pour la visite euh, ce week-end, euh, enfin ce week-end, ce mercredi, je sais pas ce week-end du tout, euh, et euh, on était à la gare euh, et euh, à un moment on était, euh, bah, j'étais avec mon copain, il était, je, je lui avais proposé de venir et euh, le, le CEA a accepté, donc euh, on y est allé tous les deux. Et euh, on était à la gare et on attendait euh, le train et il euh, y avait une dame qui était assise sur une banquette pour trois personnes et elle était toute seule et elle était, euh, son téléphone était branché à une prise mais il y avait des prises partout en fait c'était dans le salon lounge je sais pas quoi là et il euh, y avait euh, un fauteuil de libre un peu plus loin pour une personne avec une prise à côté aussi. Et je lui dis, euh, je, je lui demande, parce que du coup on était deux et on cherchait une place pour s'asseoir, je lui demande si euh, elle veut bien euh, échanger euh, avec euh, la, place, euh, la place seule, parce que comme elle était seule, enfin je lui demande déjà si elle est seule. Elle me dit oui, oui, je suis seule. Alors elle était au téléphone, mais elle dit oui, oui, je suis seule. Est-ce que vous seriez, vous seriez d'accord pour aller vous asseoir sur la place là-bas toute seule et nous laisser nous asseoir euh, tous les deux euh, ici Elle dit, euh, ah mais non, mais je suis au téléphone, là, vous ne voyez pas que je suis au téléphone. Je dis, bah, oui, mais il y a une prise là-bas aussi. Elle me dit, non, non, mais euh, je, je, je ne bougerai pas, je suis au téléphone. Et du coup, je regarde, je dis, mais en fait, vous êtes très égoïste, madame. Je dis, oui, c'est ça, je suis très égoïste. Et, euh, et je suis partie, donc on est parti, du coup on s'est assis sur un, sur un endroit sans prise, dommage parce qu'on avait vraiment besoin de... Enfin, mon téléphone était à plat, et, euh, et euh, un endroit beaucoup moins confortable que les fauteuils sur lesquels la dame était toute seule assise. Et, euh, et je, je sais en fait par expérience que à chaque fois que quelqu'un me fait un coup comme ça, pas cool, bah je, je sais qu'il y a un retour de karma. Et donc euh, c'est pour ça que j'ai publié ça en fait. Mais c'est très con. Je, je sais que, enfin, je, je pense qu'elle va se prendre le retour du le, le karma, son karma. Et euh, mais si ça, se trouve, elle va, si ça se trouve, il va jamais rien lui arriver. Mais je, je, je pense qu'elle va finir par avoir. Parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose comme ça, ou à chaque fois que quelqu'un me. me me répond mal ou me traite mal ou quoi, euh, à chaque fois, il, il arrive quelque chose à cette personne de pas cool. Alors, je sais pas cool, hein, mais euh, j'y peux rien, en fait. <laughs> j'y suis vraiment pour rien. C'est vraiment une question de karma. <laughs> et euh, et c'est assez euh, régulier. C'est-à-dire, des fois, c'est des petites conneries, hein. Euh, Quelqu'un me dit quelque chose de, de pas sympa et, euh, et il se prend euh, un coin de table dans, la, dans le pied et, euh, juste après, quoi. Enfin, c'est des, des petites bêtises, quoi. Mais... Euh, mais euh, j'y crois pas euh, au karma, mais là, je, je, je pense que cette dame-là, euh, il va lui arriver quelque chose ou il lui est déjà arrivé quelque chose. Oui, je sais que j'ai un billet de confirmation, mais je m'en fous. Euh, donc, euh, Fenari arsra a fait une super vidéo en plus de cet article où il explique le fonctionnement euh, des différents réseaux sociaux, plus surtout, mais serait et Masto euh, aussi. Par contre, c'est trois heures de vidéo. Ouais, D'accord, c'est long. Bonjour Franck ouais après je sais que c'est la je sais que c'est la je sais que euh, le karma n'existe pas voilà c'est bon c'est bon mais quand même <laughs> je vais essayer non j'aide pas le karma j'aime pas me venger c'est pas mon truc de me venger Oh mais non. Ah, c'est le truc drôle, enfin euh, drôle, c'est drôle. Moi j'en rigole parce que j'ai mon ex m'a largué, euh, m'a largué euh, euh, avant le décès de, ma gr... de mon grand père et juste après le décès de ma grand mère. Donc il m'a largué euh, à un moment où c'était juste où j'étais pas bien euh, du tout et où c'était vraiment pas le moment. Mais bon, il, il a choisi de me larguer à ce moment-là. Puis en plus il, il me trompait déjà depuis plusieurs mois avec une autre personne. Euh, donc il m'a il m'a largué euh, à ce moment-là. Et euh, il aurait dû me larguer plus tôt. Enfin... En fait, on n'aurait jamais dû rester aussi longtemps ensemble. Enfin bref, il m'a largué. Et euh, le lendemain, je crois, ou le surlendemain, il s'est pris une voiture. Il a eu les deux poignées défoncées. Enfin, il s'est pris un, un transporteur. Vous savez, les trucs qui les soulèvent palettes là, ou je sais pas quoi. Là. Et il a eu les deux poignées défoncées. Et, euh, et en fait, c'était bien fait pour sa gueule. <laughs> c'est même pas ma faute, j'y peux rien.

Oh, quel horreur. C'est pas vrai. Ah, si que ça doit, il arrivé vraiment un truc tout pourri, toi. Alors, il y C'est... Euh, quand j'étais petite, pareil, je me faisais harceler euh, comme toi. Enfin, je me faisais harceler dans le, dans le bus pour aller à l'école. Et... Euh, j'ai euh, euh, la, la fille qui me harcelait, en fait, euh, peu de temps après. Euh, ah, mais non, mais il faut mieux pas se fâcher avec moi, parce que ça, tu te, si, si tu es en tort, tu, tu te prends un retour de karma. Tu te prends le karma. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, je ne sais pas pourquoi. Et euh, donc, je me faisais harceler aussi euh, quand j'étais à, à l'école. Et euh, la fille qui me harcelait, euh, en fait, euh, elle a euh, quelques semaines après, enfin, euh, elle a sa maison qui a brûlé. <laughs> J'y peux rien, j'y peux rien en fait. C'est sa petite sœur qui a foutu le feu à la maison. Et euh, sa mère a failli mourir parce qu'elle dormait. Euh, C'est soit sa petite sœur, soit sa mère, je sais plus. Enfin, du coup, euh, la, la maison a brûlé. Et euh, les pompiers sont arrivés et tout. Ouais. Ah, quelle heure. Ouais, non, mais, mais voilà. Un connard qui me frappait au collège. Et tantôt, là, actuellement, j'ai appris ça totalement par hasard en plus. En fait, ça s'appelle. Ce qui... ce qu'appelle ce qui Karma, c'est juste ses conséquences de comportement détestable. <laughs> Bonjour, Commander Ham. C'est sympa de te voir sur Twitch. J'avais quelques interactions sur Xeno XDI. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui personne n'est sur X. Alors comment ça se passe que C'est si calme que ça sur X, euh, du coup eh, C'est vrai que du coup, moi j'ai posté un truc ce matin, j'aurais pas dû. Voilà, je vais supprimer. Oh, voilà. il, se passe, il se passe quoi du coup Il y a du monde ou pas Il n'y a rien, il ne se passe rien. Mmh. C'est marrant. Après, j'ai un truc plus rigolo, un mec qui m'avait quitté pour une fille plus mince. Trois ans après, il a pris 40 kilos et j'en ai perdu 50. Ah Karma, karma, karma. c'est. Euh... Bon, après, c'est horrible, hein, mais il euh, y avait une fille qui me harcelait euh, quand j'étais au collège, euh, qui elle aussi était harcelée. D'ailleurs, ce qui était assez euh, horrible, c'est qu'elle était harcelée et elle me harcelait en plus. Euh, mais euh, du coup. Euh... Ouais, c'est le jour de nos tweets. Et, euh, et, donc euh, et donc elle me harcelait aussi et, euh, et euh, j'ai appris euh, l'année d'après euh, ma terminale où j'ai été aussi euh, très très durement harcelée pendant toute l'année par un, notamment un des profs et euh, par les élèves aussi qu'elle euh, s'était euh, suicidée, elle, elle s'était euh, défenestrée en fait alors après euh, je, je, je dis pas que là je dis pas que c'est le karma ça me fait pas du tout rigoler euh, mais euh, c'est horrible en fait, c'est vraiment horrible mais bon, euh, quand même, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Et c'est pas les seuls, hein. Il, a... il s'est passé plein de petits trucs comme ça. Genre un jour, euh, mon patron qui... qui dit une vacherie euh, un peu misogyne, comme ça, il s'est pris, euh... pris la porte. <laughs> juste deux minutes après, quoi. Même pas deux minutes après, juste 20 secondes après, quoi. Euh... Oh. allez, la suite. Alors on va lire un dernier article. Alors, j'ai ça. Les gens toxiques prennent aussi plus de risques que dans la vie. Euh... Il vient de paraître son le FAQ Blue Sky pour les journalistes. Cette page comprend également un lien vers un formulaire de liste d'attente pour les journalistes afin que les membres de la presse n'aient plus besoin d'envoyer un email à notre boîte de réception presse pour obtenir un code. Nous apprécions l'aide de chacun pour partager ces informations. Donc je, je l'avais partagé, moi du coup, euh, n'hésitez pas à le repartager oui. aussi. <laughs> Ensuite, on va, on va passer vite sur cet article-là. Voilà, alors c'était ça. Hop, oh là là. Hop. Ah zut. Pourquoi pourquoi Alors, c'est un article du Monde sur euh, fracture française, un pays où progresse le déclinisme, la colère et l'attrait pour l'extrême droite. Un article du 10 septembre 2023. Euh, qui a été écrit par Ivan Trippenbach Trip et donc euh, que c'est Marine je crois qui nous l'a envoyé. Merci. D'ailleurs, merci beaucoup. Hop. En 1900 en 1897, je vais y arriver. En 1897. Anatole France mettait en scène un dialogue fameux entre un républicain et un abbé que l'on rangerait aujourd'hui parmi les déclinistes. Je soupçonne les hommes d'avoir de tout temps beaucoup exagéré les nécessités du gouvernement et les bienfaits d'un pouvoir fort, fait-il dire au héros, dans l'orme du mail, pour défendre le régime démocratique en cette fin de siècle où bout le nationalisme, dans le sens bouillir. Film de Dupontel, ça a l'air intéressant, j'ai bien envie d'aller le voir aussi. En 2023, le sentiment de déclin et l'attrait pour un pouvoir fort imprègnent une France marquée par le retour historique de l'inflation, où l'extrême droite institutionnalisée exerce toujours davantage sa force d'attraction. La onzième vague de l'étude Fracture française, réalisée par Ipsos Soprasteria pour le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le Centre de Recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF et l'Institut Montaigne. Offre le tableau préoccupant d'une société à l'humeur sombre. Jamais depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, autant de Français interrogés n'ont considéré que le pays était en déclin, 82%. Un bond de 7 points en un an. Ce pessimisme, loin d'être nouveau, rejoint un niveau comparable à celui de la fin du quinquennat de François Hollande, 86%, en 2016. Plus inédit est le fait qu'un tiers des Français pensent désormais que le déclin est irréversible, une proportion jamais égalée depuis le début des enquêtes, fracture française. Le noyau, dur, le noyau dur des déclinistes se compose d'un électeur sur deux de Marine Le Pen, mais inclut aussi des catégories qui, jusqu'ici, restaient plutôt optimistes, des cadres 35% et des retraités à 29%. C'était mieux avant. De même, la nostalgie reste forte dans un pays où fleurissent les débats sur l'uniforme scolaire ou le septennat présidentiel. Sachant que l'uniforme scolaire, euh, en fait, il n'y en a jamais eu en France. Donc le « c'était mieux avant » sans l'uniforme scolaire... Euh... Trois quarts des Français disent s'inspirer de plus en plus des valeurs du passé et pensent que c'était mieux avant. Cette poussée nostalgique est sans lien avec l'âge des interrogés et touche surtout les moins de 35 ans. L'étude met ainsi mal à mal l'idée de trois France qui cohabitent celle de la peur, celle de la colère et celle de l'optimisme, à l'image de la tripartition de la vie politique. Il ressort plutôt deux sentiments collectifs dominants colère et mécontentement, alors que seulement 4 des personnes interrogées trouvent le pays satisfait ou apaisé. Tu m'étonnes. Ces gens vivent dans une grotte. 4%, si la France mécontente reste majoritaire à 51%, le sentiment d'appartenir à une France en colère et contestataire progresse, lui, très fortement, quelques mois après la réforme des retraites et l'explosion de violences urbaines, de 31% en 2021 à 45% aujourd'hui. Cette colère monte dans tous les électorats et dans toutes les tranches d'âge, n'épargnant aucune catégorie socio-professionnelle 58% des ouvriers, 46% des employés, 39% des retraités, 41% des cadres. L'inflation pèse sur le moral des Français. Le pouvoir d'achat reste la préoccupation qui supplante toutes les autres à 46% et traverse tous les électorats, très loin devant le chômage, la menace terroriste, l'avenir de l'école ou la dette publique. Ces difficultés ne minent pas la demande de redistribution davantage de personnes interrogées jugeant qu'il n'y a pas assez de solidarité envers ceux qui en ont besoin, 44%, et modérant leur critique de la cistana, qui reste cependant élevée à 56%. Ah, c'est. Euh... Le CTMI Avion, de moins de 35 ans, bah, je trouve ça hallucinant. Suis... C'est chaud quand même. L'anxiété climatique gagne quant à elle du terrain, y compris à droite. Les électeurs d'Emmanuel Macron et d'Europe Écologie Les Verts, ainsi qu'un tiers de ceux du Parti Les Républicains, citent la protection de l'environnement comme première préoccupation. Si 6 Français sur 10 ont conscience que le changement climatique est dû à l'activité humaine, le climato-scepticisme s'étend tout en restant circonscrit. Une large majorité des personnes interrogées considèrent qu'il faut changer les modes de vie et les modes de production plutôt que de compter sur le, pro le progrès technique. Inquiétude identitaire, c'est très inquiétant ça quand même. Hein. Euh, changer les modes de, de vie et de modes mode de production, c'est-à-dire le retour à la Terre, la suppression du, de la technologie pour l'agriculture, ce genre de choses, c'est très inquiétant. Inquiétude identitaire. Les Français attendent d'ailleurs du gouvernement qu'il prenne des mesures et rapides et énergiques face à l'urgence climatique, même si cela implique de modifier en profondeur les modes de vie à 67% ou de faire des sacrifices financiers à 47%. Quand le choix du partage de l'effort leur est donné, deux tiers considèrent toutefois que c'est d'abord aux entreprises ou à l'État de réaliser ces efforts. L'électorat de l'extrême droite fait figure d'exception avec seulement un électeur. Euh, sur six du Rassemblement national préoccupés par l'environnement. Ces Français les plus, les plus rétifs à changer de mode de vie ont pour première préoccupation le niveau de l'immigration devant le pouvoir d'achat et la délinquance, confirmant la prédominance de l'inquiétude identitaire. Et ça aussi c'est hyper inquiétant. Malgré ce décalage, c'est l'un des enseignements de la vague 2023. L'extrême droite séduit de plus en plus, deux tiers des Français et près de la moitié des électeurs du RN considèrent toujours que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Mais année après année, ils sont de moins en moins nombreux à le penser, moins 4 points en un an. Surtout, l'obstacle de la compétence se fissure, si la majorité des Français continue de penser que Marine Le Pen n'est pas capable de gouverner le pays, ils sont de plus en plus nombreux à juger qu'elle le pourrait, à 44%, plus 5 points en un an, 4 ans avant la présidentielle de 2027. Depuis qu'Emmanuel Macron exerce le pouvoir, le bon est spectaculaire, plus 19 points. Lui, c'est le... En fait, c'est la rampe d'accès de, de Marine Le Pen au pouvoir. Emmanuel Macron, en fait, il a, il a joué cette, ce rôle-là, de rampe d'accès de Marine Le Pen au pouvoir. Mais, mais son seul objectif, c'était ça. Enfin, on dirait vraiment que son seul objectif, c'était que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027. Voilà, c'est tout. Et là, enfin, c'est une, une, une catastrophe. C'est le, ouais, le barrage. Avec des gros guillemets, tu mets le barrage. Ouais, elle met ses, bri ses briques petit à petit, mais Emmanuel Macron, il a juste, euh, il a juste été une. une il, a, il, a, il a été le, la, la marche euh, supplémentaire. Comme s'il avait fait exprès. Ouais, c'est ça. 40 ans de pouvoir au menant des politiques racistes, antisociales. <laughs> Il a mis le mortier. Comme l'an dernier, la France insoumise est vue par deux tiers des Français comme un parti d'extrême gauche, dangereux pour la démocratie à 57% et qui attise la violence à 60%. Un résultat qui confirme l'image repoussoire du parti de Jean-Luc Mélenchon, jugé cette année encore plus dangereux que la formation fondée par Jean-Marie Le Pen. Ce qui est assez dingue, hein. Ils ont réussi à être jugés plus dangereux que le Rassemblement national la, de la gauche, ce qui s'appelle la gauche aujourd'hui, est considéré comme plus dangereuse que le Rassemblement national par la plupart des gens. Demande d'autorité, facteur de repli et, de et du vote national populiste, la défiance ne recule pas, trois Français sur quatre estiment qu'on n'est jamais assez prudent. Quand on affiche, quand on, a, quand on a affaire aux autres... Attends, quand on a affaire aux autres... Le système politique national suscite toujours la méfiance. Les Français pensent en majorité que les politiques sont corrompues et n'accordent qu'une faible confiance au parti, 17% ont confiance au parti, ou au président de la République, 34% en confiance au président de la République. Le plus frappant est l'image de l'Assemblée nationale en majorité relative. En un an, la confiance dans les députés s'est effondrée, 29%, moins 7 points. Comme c'est étonnant. Quand on voit le nombre de personnes, de personnalités politiques qui ont détourné de l'argent ou qui euh, se servent dans les caisses, est-ce euh, qu'on est, qu est étonné de voir ce résultat-là Je ne crois pas. Non, on l'est pas. On n'est pas du tout étonné. Moi, ça m'étonne vraiment pas du tout. Parmi les exceptions, la confiance dans l'Union européenne atteint l'un de ses plus hauts niveaux historiques, à 43%, à quelques mois d'une nouvelle élection européenne en juin 2024, plus 7 points depuis le scrutin de 2019. Les syndicats recueillent eux aussi la confiance des Français après la bataille pour les retraites, 40%, plus 12 points depuis 2019. Quant à la confiance dans les médias, abîmée après la crise des gilets jaunes, elle remonte de 33%. Elle remonte à 33%, loin devant les réseaux sociaux. C'est pas mal, hein, cela dit. Mais même si bon les médias, quand c'est News, ou Canal et compagnie qui diffusent beaucoup de haine et beaucoup de, de mensonges. Euh, C'est pas forcément une bonne chose. Dans une société vécue comme violente, l'idée domine qu'il faut à la France un pouvoir autoritaire à travers un vrai chef pour remettre de l'ordre à 82%. On est loin, très loin de toute idéologie, euh, toute forme démocratique. Cette demande qui culminait sous le quinquennat Hollande bondit désormais chez les électeurs de gauche. Plus 15 points à Europe Écologie Les Verts, plus 10 points au Parti Socialiste en un an. C'est dingue. C'est dingue. Surtout plus d'un tiers des Français pensent que d'autres régimes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. Ce désamour à l'égard du régime démocratique est de loin le plus fort parmi ceux qui votent pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Mais il a progressé partout, bondissant de 11 points en moins d'une décennie. Je, c que, c je, je pense qu'en fait, si on, si on a ce désamour à l'égard du régime démocratique, c'est peut-être parce que en fait, le régime qu'on a n'est pas démocratique. Et du coup, on a l'impression que on n'aime pas la démocratie, alors qu'en fait, c'est simplement un régime. Euh, plutocratique qu'on ne peut pas supporter, et pas un régime démocratique, parce qu'on n'est vraiment pas du tout dans une démocratie hein, en France. On est très loin d'une démocratie. Donc c est, c est, ça m'étonne pas beaucoup. L'Assemblée ne sert à rien, les gars votent comme des chefs quand ils sont présents. Mais l'Assemblée, c'est comme toutes les, les générations de tapis. Bah, hey, alors, deux choses. L'Assemblée, euh, comme toutes les, euh, les assemblées, donc l'Assemblée nationale, comme toutes les, les assemblées d'élus, donc les conseils municipaux, etc., tout ça euh, a tendance à être euh, euh, complètement euh, erroné du fait de euh, euh, déjà une mauvaise représentativité de la population. Il euh, n'y a pas de mandat impératif, et je ne suis pas forcément favorable au mandat impératif, mais c'est juste qu'il n'y a pas de mandat impératif. Donc, les personnes, on les élit, et elles vont prendre des décisions en leur âme et conscience elles vont jamais interroger euh, la population sur euh, qu'est-ce qu'elle devrait faire. Et euh, donc, euh, les, les élus, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale, aux conseils régionaux, euh, aux conseils municipaux, euh, partout, euh, les, les, les élus euh, prennent des décisions sans consulter leur électorat, jamais. Donc euh, on, on donne notre pouvoir de vote à ces personnes-là, et ces personnes-là en usent et en abusent sans euh, à aucun moment nous consulter. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est la série euh, Tapi qui est sortie, euh, je l'ai vue, hein, cette série qui est sortie sur Netflix, elle est intéressante, elle est très romancée hein, sur l'histoire de, de Bernard Tapi, mais elle est intéressante euh, en un sens qu'elle elle pose quand même quelques questions sur euh, la... Euh, la la transparence de la vie publique et euh, les, les magouilles qui peuvent être faites euh, par, euh, par ces politiciens et effectivement tapis était euh, le, le, peut-être un des plus bordeurs à ce niveau là et c'était un des politiciens qui a le plus fait de mal euh, à euh, la confiance qu'on pouvait avoir dans la politique et dans les, et dans les politiciens. Euh, mais euh, pas seulement lui après on parle de Balkany, les Balkany euh, ils, ont, euh, ils ont fait énormément de conneries euh, à levallois perret et pour autant ils ont été réélus à chaque fois même quasiment dès le premier tour à chaque fois c'est... Euh, voilà euh, on peut pas enfin euh, ils, ils sont pourtant euh, parmi les plus pourris de toutes les personnalités politiques et pourtant ils sont réélus à chaque fois par leur population et les gens les aiment bien, à Levallois les gens les aiment bien hein. Salut Samuel, bonne journée. Les gens veulent une dictature, vraiment. Ouais, j'ai bien compris ça. Ouais, ils ont... Bah, ils ont fait du populisme hein, comme la plupart. C'est pareil pour les, les communautés d'agglomération. Enfin, les communes... Euh... Euh, les, les communes euh, communistes, euh, alors là, les communes communistes, euh, je pense que c'est les, les pires communes, euh, c'est celles qui ont fait le plus de mal à la politique. Les, les communes communistes, elles ont, euh, elles ont, euh, les, les élus communistes, en fait, ils ont euh, euh, habitué les électeurs à, euh, le, au clientélisme. En disant, bah, si tu votes pour nous, tu vas rentrer dans le communisme et du coup, on va te donner des logements, un logement social, un travail. Et c'est vraiment les, les. Alors, je ne sais pas si c'est les pires, mais euh, en tout cas, ils ont fait beaucoup, beaucoup de mal euh, à la vie politique et à la vie publique. Vraiment. Et pour moi, c'est les. Communistes qui ont le plus fait de clientélisme. Après, les Balkanis se sont servis de ça aussi, et pour autant, c'est pas des communistes, mais euh, du coup, c'est une autre forme de clientélisme. Ouais, c'est ça, la place en crèche, le, le logement social, le petit job qui va bien, euh, travailler à la mairie, tout ça. La petite subvention pour la sauce, c'est tout ça, ouais. ouais. Oui! Les élus communistes ont fait énormément de mal à, à la vie politique. Les élus socialistes aussi, hein, euh, en montant euh, sur leurs propres fonds. Enfin, euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'était euh, un ministre euh, du gouvernement Hollande qui, a, qui avait détourné de l'argent. Enfin, euh, pas détourné de l'argent, mais qui avait un compte en Suisse. C'était un ministre socialiste. Les socialistes, en fait, ils ont menti sur leurs intentions et c'est euh, surtout, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. En fait, c'est pour ça que les gens n'ont plus confiance en la politique. Et alors, du coup, on se retrouve avec la France insoumise, qui est encore pire hein, pour le coup, euh, la France insoumise qui. Euh, et détesté par, par tout le monde et, euh, et qui est extrêmement peur à tout le monde, mais qui est simplement une émanation d'une petite organisation politique euh, avec absolument aucune démocratie à l'intérieur et qui revendique une sixième république. Quelle sixième république Moi je demande à savoir hein, parce qu'une sixième république, si elle est organisée comme la France insoumise est organisée, euh, bah, ça donne pas envie, hein. <laughs> ça donne pas du tout envie, c'est pas du tout démocratique. Après... Euh, J'entends bien que euh, les Français veulent pas de démocratie, donc euh, peut-être que c'est pour ça qu'ils votent pour la France Insoumise. Hein. Peut-être que euh, au fond, euh, ils seraient contents d'avoir la France Insoumise à la direction du pays, parce qu'on est sur tout sauf de la démocratie. Donc on va partir sur un truc très autoritaire. Cahuzac, voilà, c'est ça. Cahuzac. Mais je sais que c'est dans leur programme. Mais la sixième République, si c'est le, si le truc qu'ils défendent, ça donne pas envie. Bref. Il est 9h33, je suis déjà à la bourre au boulot, je vais devoir vous abandonner. Ça m'a fait plaisir de vous avoir ce matin euh, ici pendant une petite heure, euh, et quart, une heure et quart. <laughs> Ça donne pas envie. La fille au pouvoir avec Shikiryu aux finances. Non. <laughs> merci, mais non merci. <laughs> Ça ira <laughs> Après, je comprends après que derrière, enfin, je comprends. Je comprends pas, en vrai, je comprends pas. Mais euh, ça peut se comprendre qu'en voyant ce qui se fait à la France Insoumise et les techniques et les manœuvres qui sont faites dans cette organisation et les personnes qui la composent, euh, ça peut se comprendre qu'on ait plus peur de ça que euh, du Rassemblement national, parce que le Rassemblement national, il est là depuis plus longtemps. Donc on a fini par s'y habituer. La France Insoumise, ils sont là depuis pas longtemps. Et, euh, et on voit tellement de choses horribles qui se passent avec les membres de la France Insoumise que qu'on n'a tellement pas envie euh, de les avoir au pouvoir. Mais euh, et euh, le Rassemblement national, au final, il, il milite pour, euh, pour que les gens leur fassent confiance. Donc euh, ils n'ont plus besoin de parler, ils s'expriment même quasiment plus. En fait, il suffit que les autres fassent leurs frasque pour que euh, tout le monde ait, ait, ait envie de voter pour les moins pires. Et aujourd'hui, il euh, n'y bah, a pas vraiment de moins pire au final. Mais j'ai n'ai moi-même pas du tout envie que l'extrême droite prenne le pouvoir. C'est là maintenant, c'est juste que je me dis, bah, de toute façon, il n'y a pas... C'est ce qui va se passer, donc qu'est-ce qu'on fait comment, euh, comment on contre ça Comment on s'organise pour euh, lutter contre ça hein Très bonne question. Et sur cette bonne question, je vais vous abandonner. Je vous souhaite donc une excellente euh, journée, un excellent vendredi, un excellent week-end, parce que je ne serai pas là ce week-end, parce que c'est le week-end. Et, euh, et euh, je vais euh, vous retrouver euh, lundi matin, euh, tôt le matin, je l'espère, normalement 7h30, entre 7h30 et 8h, hein, j'espère pas 8h30, <laughs> on verra bien, euh, lundi matin. En tout cas, euh, d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Discord, euh, sur le Discord de la communauté. Et, euh, et puis euh, nous envoyer des actualités, sachant qu'on a déjà beaucoup d'actualités à voir, parce que là, on s'est arrêté encore au début du mois d'octobre, on a encore plein de trucs euh, du mois d'octobre, euh, mais n'hésitez pas quand même à envoyer des actualités, parce que c'est toujours intéressant, quoi qu'il en soit, pour que d'autres personnes les consultent. Euh, voilà, bah c'est tout pour moi. Hein. Euh, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent euh, week-end, un excellent vendredi, un excellent week-end, et on se retrouve lundi. Et ah oui, mercredi je suis en congé, donc peut-être que je serai là un petit peu plus longtemps. Peut-être, on verra, on verra. Euh, peut-être qu'on jouera quelque chose, je ne sais pas, on verra bien. Ou peut-être qu'on lira quelque chose que je voulais qu'on lise depuis longtemps, là, la note sur la suppression générale des partis politiques. Ça pourrait être cool aussi. Allez, je vous embrasse des bisous. Et euh, comme d'habitude, aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est important. Et on se voit très bientôt! Salut!